Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Dredge. Donc on avait vu dans l'épisode, premier épisode, la bouteille qu'on avait trouvée nous indiquait que des gens avaient visiblement eu un accident et avaient renversé des trucs machins dans l'eau. Putain, il y a lui qui est pas très loin, donc on pourrait aller voir. Hein. Mais, farmons du poisson. Moi, on m'a pas dit de faire des trucs... on m'a dit de pêcher. C'est ce que je fais. Faudrait que j'aille voir là. Il y avait des débris là. On va aller voir. Et il y a encore une bouteille dans l'eau. Vas-y, les gens ils ont pris l'eau pour une poubelle. Hein. Hop. Les requins c'est tentant mais je suis sûr que j'ai pas le droit de les pêcher. De toute façon je crois pas que j'ai la place pour un requin en vrai. Dragage, vous n'avez pas le bon matériel pour cette zone. Mais tu me dis pas ce qu'il faut. Non, il me dit pas ce qu'il faut. Dommage. Et boum. Message du 20 août. Ah, j'ai trouvé le précédent message. Celui du 20 août 1927. Ce matin, un deuxième jour de la lune de miel, est notre première véritable journée. Aujourd'hui, on navigue dans les îles et les îlots derrière la grande moelle. J'adore les rochers ici, les strates et les couleurs sont vives. En plus, les poissons sont rares dans ces eaux peu profondes. Comme ça, il tiendra la barre au lieu des cannes à pêche. Hier soir, il a rebaptisé le bateau Julie. Il a même fait une petite cérémonie laborée. Je crois qu'il a pris celle-ci plus au sérieux que nos noces. Il prétend que c'est important de faire ça correctement sous peine de porter malheur au bateau. Il voulait jeter tout ce qui portait l'ancien nom de ce dernier. Ok, mais j'ai gardé le porte-clés Richesse de l'océan. C'était un joli nom. Je crois qu'il a préparé un pique-nique surprise. Le panier est à moitié caché sous une couverture à l'avant de la cabine. J'adore quand il essaie d'être romantique. Alors, juste essayer. Donc oui, il y avait un autre message. J'ai envie de dire, vous suffit de remonter les autres épisodes pour le voir. Hop. Donc. Et tac. Voilà. 50 trucs en même temps. Ça se pêche ça? Donc, du coup, le quinquin. Est-ce que le quinquin ça se pêche? Ah non. Océan. Du coup, ça, c'est océan aussi. Ah, il y a des tas de trucs là-bas, genre, il y a un truc qui brille et tout. Ah, je peux rien pêcher, hein. Bon, bah, on se casse, hein. De toute façon, le jeu est juste en train de me dire, reste dans tes petites eaux, là. Pêche tes trucs. Et ben, je vais rester dans mes petites eaux. Et je vais pêcher mes trucs. Alors. Le jeu nous dira des choses au fur et à mesure. Oui, je vous ai pas demandé, mais n'hésitez pas à me dire hein, si jamais genre la musique est trop forte, etc. Volume voix, tout. Tout. Moi je regarde pas, je tourne 3 épisodes d'affilée comme un idiot. Rien à faire, pardon. J'essaye de cliquer au lieu d'appuyer sur F. C'est un vrai problème. Hein. C'est pas mal. On a fait un bon petit plein. Le truc, c'est que si je continue, ouais, on peut aller voir ça vite fait. On va encore se retrouver dans le noir obscur avec des gens. Non, mais c'est que des dèches. C'est que de la dèche. En fait, l'idée, c'est de voir si on a un calmar, un truc, un machin qui pop. J'ai pas l'impression. Je crois que je les ai bien platinés, il reste pas grand chose. Hein. Te calme, hein. Calme-toi l'océan. J'ai trouvé un truc très drôle.
Écoutez l'écho d'une corne de brume. Ah ! Mais c'est trop bien. Bon, il n'y a plus rien à dire. On peut se couper la lumière. C'est inutile la lumière. Non, on va laisser la lumière. On va pas jouer le fou non plus. On fait assez de dingueries comme ça en vrai. Paf, le poissonnier. Je voulais te parler d'un nouveau produit que je songe à vendre, les casiers à crabes. À vrai dire, j'en ai un pour toi. Il est un peu cabossé, mais la charpentière pourrait te le réparer. Ok, merci. Je ne devrais pas être... Ça ne devrait pas être très compliqué. Lâche-le en mer où tu veux, puis reviens au bout d'un ou deux jours pour voir ce que ça donne. J'ai un client qui cherche un crabe violoniste et un crabe vert. On trouve les deux espèces dans les environs. J'ai trouvé ce livre derrière, ça pourrait être utile. Pas encore gagné un bouquin. Le poissonnier glisse la main sous le comptoir, puis vous tend un livre rongé par l'humidité. Sur sa couverture sont collées quelques écailles de poissons brillants. Ok. Moi, je te vois, mon merdier. T'es quasi éclaté, je m'en pète. Il marche encore très bien, deux jours. Durabilité, deux jours. Parfait. Allez, bon, on va faire dodo vite fait. Oh, il fait largement ses jours. Allez, on lève l'ancre. Ça va pas, non. On a une dette à payer, nous. Hein. On a pas de temps à perdre. Ah oui, sélectionner le casier à crabe avec E. Ok, ok. Partout, il y a du crabe. On a beaucoup partout. On va pêcher dans notre lancée pendant qu'on cherche l'endroit où on va acheter des crabes. Hop là, comme ça. Ouais. Ah bah c'est tout. C'était bien. Bon, je pense que par là, ça va être plus intéressant de jeter ça par ici. 3, et quelques mètres. Ouais, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est pas mal par ici. Ah, 7, 7, 7, 7. À mon avis, plus vers le quinquin là, genre. Ouais, ouais, ouais. Si on peut aller sur un petit 10 mètres de fond, ça serait stylé. À peu. Faut pas aller jusqu'à 10 mètres de fond. Genre là, c'est très bien. Petit poisson, petit casier. Petit casier. Bon, bah, on va. Pêche durable, lecture terminée. Yes. Ah oui, nouveau livre. Ça fait quoi 10% de chance de ne pas réduire les réserves de poissons lorsqu'on pêche à la canne? Ah, ok, donc moins de chances de détruire le banc de poissons, quoi. Canne à pêche, moulinet et gréement. Let's go, sélectionné. Encore un truc avant, cabine? Quête. Un crabe vert, ouais, ouais, un violoniste, c'est bon, on est au jus. On est au jus, au parfum, on est en sauce, t'inquiète. T'inquiète, biquette. Paf, non, pêcher. Oh, c'est nouveau ça! Let's go! Une raie! Oh putain! T'es la taille du machin! Par là! Oula! Raie à fragments! Dotée de. Hein? Ouh, la. Quête ajoutée? La peau de pierre de cette raie est moulée autour d'un éclat de cristal noir. Les fragments rocheux s'entrechoquent en s'articulant. Tout va bien. Rien de bizarre, ça force de balancer des sacs plastiques dans l'océan. C'est pas du tout Cthulhu. Ah. Dommage que je sois nul. Ah. Ah. Ah, c'est un drame, j'ai pas de place. Attendez, on peut peut-être faire des choses. Oh. J'ai pas la place. Non, c'est trop sad. Non, attends. Ça c'est bon, je peux le caler là. Toi, je peux te caler là, mais si je te cale là, j'ai plus de place pour l'autre. Si.
Ah, adieu. J'ai abandonné un poisson. C'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et je pense de plus terrible. Ah ouais, non, mais c'est des raies aussi. Ouais, c'est des raies de ciment. Je vais ramener ça tout de suite. Alors, c'est quoi la quête? Enfin, parce que je dis je vais ramener ça tout de suite, mais... Dégueulasse. Montrez votre prise au poissonnier. Ouais, on y va, on y va, on y va. De quoi, qu'est-ce qu'il y a, quête? Oui, oui, j'ai compris. Fous-moi la paix. Oh là, alors, commence pas à faire ça, hein. Ne spam les quêtes dans les oreilles, hein. Je vais devenir fou. Un petit poisson là? Ils sont deux? C'est quoi? C'est des raies? Ah, j'ai pas la place pour ça non plus. Oh gros. Ah, j'ai peut-être la place pour ça par contre. Alors, fais péter un peu. Voilà, c'est tout. C'était bien. Toujours un poisson de plus. Tu m'apportes quoi? Vous tendez le poisson grotesque au poissonnier. Il sourit et lève le poisson au niveau de son visage avant de le renifler soigneusement. Ah, c'est le genre de spécimen qui fait ma journée. Je me demande si... Il passe les doigts sur la longueur du poisson comme s'il tâtait. Il appuie sur un côté de l'estomac de la créature et vous distinguez une petite forme contre les écailles protubérantes. Il ouvre le poisson de l'estomac de celui-ci. Il retire un petit bout de tissu qu'il étale sur le comptoir. C'est un mouchoir délicatement brodé. Eh ben, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour 150 balles le poisson. Hein. Je te donne ça et je te paierai aussi pour le poisson, bien sûr. Ce n'est pas le premier poisson corrompu que j'ai vu dans les environs. Tu devrais en trouver d'autres bientôt. Je te paierai une coquette somme si tu en dégotes. Parfait. Ce mouchoir jadis splendide a été retiré des entrailles du poisson grotesque. Il est brodé d'un délicat fil pourpre. Très bien. 130 balles. Attends, lui tout seul. Un homme vous regarde depuis la fenêtre de votre cabine. Son visage est presque entièrement dans l'ombre. Je sais ce que vous avez apporté au poissonnier. Je vais être clair, je sais qu'il en a extrait un artefact. Je dois l'examiner, mais pas ici. Retrouvez-moi sur l'île de Pierre Noire. Sortez de cette baie et allez vers le sud. J'ai une proposition commerciale à vous faire. Je vous y attends. Maintenant? Non, mais pas maintenant. Game fait une blague. Ok, ça va être par là, je suppose, ouais. C'est ça. Et la quête. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. On va être sage. Et si j'ai assez de pognon, ce qui serait pas mal, c'est que je prenne un... Ami pêcheur, avez-vous croisé une photographe lors de vos voyages? Elle est venue ici il y a quelques jours pour s'approvisionner. Je lui ai suggéré de photographier la ville à des fins promotionnelles, mais elle n'a pas semblé intéressée. Elle a précisé qu'elle se dirigeait vers le sud. Vous devriez aller faire sa connaissance. D'accord. J'ai rien dans ma réserve. Ok. Ce qui pourrait commencer à m'intéresser, c'est des vrais trucs. Genre, ça c'est au fond, ça c'est machin. Des vrais moteurs. Je sais pas, j'ai quoi comme moteur. Je fais du 14. Du 10, du 10. Oh, ils sont éclatés tes moteurs. Une loupiote. Ah, mais la loupiote, elle prend vraiment un emplacement qui m'est précieux et cher. Moi, je prendrais bien ça, mais ça veut dire que ça... Ça, on peut le pivoter. Ouais. Ah ouais, mais non, mais on n'a pas le... Si je jette les au fond, c'est pour... Pose-toi là. Hop, 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 ça prend 2 heures. Ok. On lève l'encre. J'ai refait une disposition, on verra si ça nous apporte quelque chose. Le gars nous a dit sud, sud c'est à droite. Let's go. Ouais, y a un truc bleu qui clignote là-bas. Hein. Ou c'est la bouée qui on va dire, bugote. Ça a l'air d'être la bouée qui bugote. Normalement ta lumière elle est jaune, elle est pas bleue.
Ah, c'est mon casier. C'est un crabe violoniste. 12 heures restantes. Je le récupère. Je vais le déposer. Je vais le déposer ou j'essaie de pêcher un truc vite fait là. Ah mais ça se pêche pas, putain. Oh là, c'est un merde de truc quoi. On va bien tester de remonter un truc de l'océan là. Ce que je suis en train de me dire, le gros crochet, est-ce que c'est pas ce qu'il faut pour essayer de draguer des trucs, les ramener On verra, je vais pas forcer. Je vais pas forcer le destin. En me lançant dans des entreprises obscures. Hop là. Trouver des crabes pour la commande. Ouais, n'oublie pas que des casiers à crabes sont à peu près machin bignou. Ah, et l'autre, c'est un petit crabe. Oh, on va acheter ça n'importe où. Très bien. Viens quand tu voudras. Bisous, bisous. Vraiment, je suis le genre de mec qui fait la gueule. La gueule, je te dis. Ouais, je pense que si je jette ça par là, là... vers 4-5 mètres, ça serait pas mal, non? De toute façon, on va passer par là. Quelque part. Petit, voilà. Hop là, petit comme ça, là, vite fait. Très bien. Ça, c'est du poisson d'océan ou du haut fond? Ça a l'air d'être du super spécial. Ah non! Bah voilà, parfait. Allez, hop. Dans la cale. Dans la cale, ça régale. Tac, tac, tac. Oh, ton truc qui me gêne, là. Il y a un peu plus rien à pêcher, là, en ce moment, là. Ça die. Hop. Et bah, ça daillote. Plus rien à se mettre sous la dent. Allons voir le monsieur. Il commence à être un peu tard. Si c'est ça. Hein. C'est complètement ça. Atelier. On dirait que personne n'a utilisé l'atelier depuis des décennies. Entrez. Vous entrez. Vos yeux mettent un moment s'habituer à la pénombre. Que voulez-vous faire ici? Récupérer des objets. Vous trouvez des créations terrifiantes parmi les détritus. Qu'est-ce que c'est quoi? Moteur artériel? Plaît-il? Temps d'installation, une heure, état opérationnel. Ça va, c'est les pales osseuses de ce moteur ridicule sont activées par un cœur qui bat au même rythme que le vôtre. Ça a l'air complètement sain. Symbole du déclin. Temps d'utilisation une heure, ouais, d'installation une heure, opérationnel. Un symbole des profondeurs est sculpté dans ce petit talisman. Il attire forcément l'attention de ceux qui sont en harmonie avec lui. Ok. Je prends tout. Ah, il faut que je l'installe. Attends. Il y a des trucs un peu chelous. Hein. Manoir en ruine. L'homme debout à la porte vous regarde approcher. Dans une main, il tient un vieux livre à la reliure pourpre et au ruban argenté. Vous êtes venu, parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis un collectionneur. Je collectionne toutes sortes de choses. Des œuvres d'art, des artefacts, des trésors, des vérités et des curiosités qui suscitent un certain désir. Vous avez quelque chose pour moi. Vous donnez le mouchoir au collectionneur. Il le tient devant la lumière vacillante afin de l'examiner. Ces motifs, ils sont reconnaissables entre tous. Même après tout ce temps. Ce mouchoir provient d'un vieux navire que je recherche. Il a coulé il y a de nombreuses années. Il transportait des objets de grande importance. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas très facile de les récupérer. C'est là que vous intervenez. Voici ma proposition. Je vais équiper votre navire de matériel qui vous permettra de draguer les épaves et les profondeurs. Merci. Trouvez-moi ces reliques perdues, et je vous récompenserai bien plus que vous ne l'imaginez.
Inutile d'abandonner votre carrière de pêcheur. Je n'ai besoin que de quelques heures avec votre navire pour y apporter les modifications nécessaires. Qu'en dites-vous ? Je suis d'accord ! Excellente décision. Je vais préparer le matériel tout de suite. Les reliques qu'on recherche sont un anneau, un collier, une montre, une boîte à musique et enfin une clé. Je vous conseille d'interroger les habitants sur les épaves et autres phénomènes étranges, tout ce qui mérite une enquête. Revenez quand vous aurez quelque chose. Je slip. Mais je caleçon aussi. Hein. J'avais pas plus drôle. Ah, j'ai une grue. Trop bien. Regardez, je peux remuer mon petit cul de bateau. Ça régale ou pas? Ça régale ou ça régale? Vous avez 2 heures. Ça, c'est des débris. Zblu. Ah. Ah, ok, ok. Ok, j'ai compris. Ouais. C'est bon, je me rappelle. J'ai vu le jeu, je rappelle. Un anal. J'ai trouvé un anal. Mon crabe zouz. Faut juste un crabe vite teuf, là. Lâche un crabe. Récupéré. Faut que je le répare. Il est flingué. Mince. Ah, j'ai fini de lire mon truc. Ça faisait quoi alors mon book? C'était tatata, les cannes à pêche remontent le poisson 10% plus efficacement. Eh, pas mal. Prends. 10% pour tout et n'importe quoi, je prends. On va commencer par 10% plus cher, si jamais. Hop, oh, parfait. Ok. Ah, j'ai raté. J'ai vraiment raté. Mais putain. Ma vie est un échec. Mais putain, mais vraiment. Mais je m'insupporte. Comment tu peux rater ça? Même moi, je sais pas. Mais je le fais. Hein. Mobilette. Le gars voulait un anneau. En tout cas, j'en ai un. J'ai ce qu'il voulait. Je vais lui looter un anneau. Oula. Gardez du phare. Tu veux quoi? Me mangez pas, madame. Tu sais où trouver des épaves? Elle vous observe d'un air méfiant. Il y a un endroit à l'arrière de la grande moelle où les courants acheminent des épaves. Certaines nuits, on en voit une. Lueur surnaturelle qui s'élève au-dessus de ces eaux troubles. Je me demande ce qu'il y a dans les profondeurs. Si tu cherches ce que je crois, tu ferais bien de renoncer. Je vois des tas de choses étranges depuis le sommet du phare. Parfois, je ne sais pas si ce sont des mirages. Elle soulève la lanterne pour mieux vous observer. Tu es vraiment devant moi ou c'est encore un mauvais tour du brouillard ? Qui vit sur l'île de Pierre Noire? Je vois des tas de choses de là-haut. J'ai vu ce maudit bateau revenir. J'ai choisi de détourner le regard. J'ai vu une lueur surnaturelle vers ici à travers ces fenêtres. Quoi qu'il mijote, j'espère que tu sais ce que tu fais. Ça ne donne aucune réponse. Merci, madame. L'architecte. Vous vous approchez de la femme assise près du quai, les yeux fixés sur la mer. Elle se tourne vers vous. C'est comment sur la mer? Tranquille. En tout cas, ça doit être plus beau à voir que cette maudite ville. Je crois qu'il faut que je parte quelque temps ou même définitivement. C'est une erreur de revenir en arrière, tu ne penses pas? Il faut toujours aller de l'avant, progresser. Ouais, c'est pas si mal, hein. Pas si mal ici, hein. Ouais, il flotte beaucoup. Elle tourne à nouveau les yeux vers la mer, perdue dans ses pensées. Dis, si tu me trouves des matériaux, tu pourrais peut-être m'aider à déménager. J'ai entendu parler d'une île. Pointe d'acier juste au nord. Deux lots de planches et deux lots de ferraille, c'est tout ce qu'il me faut. Je peux me bâtir une nouvelle maison là-bas, tu pourrais me rendre visite bien sûr. Quand tu trouves quelque chose, dépose-le à Pointe d'acier. Je te paierai quand le travail sera terminé. Waouh, la pluie de quête d'un coup. Zblu! Ah, il faut que j'aille voir l'autre clochard pour me la réparer.
On dirait que ton équipement a besoin d'être rafistolé, on peut le réparer ici. Oui. Et ben, tout réparer, R. Ça va me réparer. Donc ça m'a coûté 15$ à réparer. Oh mais la merde que c'est. Le fric que ça bouffe. Ouais. Bah, le maire il m'a toujours pas dit que j'avais épongé ma dette, hein, ce connard. Hein. Je lui ai saucé tous les poissons de la région, là. Il m'a rien lâché, le con. Là, il y avait rien. Là, je crois qu'il y a quelque chose. Donc là, il y a des poissons, d'accord. On est un peu plus loin, bah, c'est ça. Il y a du matos à draguer. Et on devrait aller se... On devrait aller se faire les paf qui est derrière. Oh, de nuit en plus, histoire de rajouter un peu de suspense. De suspense. Alors oui, bouger comme ça. Non, pas bouger comme ça, bouger comme ça. Des planches. J'ai une planche pour la madame. Oh putain, je vois pas. Vers la bouée. Tout droit, c'est sûr, il n'y a rien sur le passage. Ah, un poisson, non? Rien à pêcher. Ici est une bouée. Ah ouais, je la suis pris. D'ailleurs... ouais, lourde-moi ça. Hein. Voilà. En général, ce que tu pêches de nuit a l'air de valoir... Enfin, ce que je pêche de nuit a l'air d'avoir de la valeur. Quoi, pas gêné, hein. Si on arrive à pêcher un truc, bien sûr. Hein, parce que... Un peu nul, hein. Si je me débrouille pour te mettre ailleurs, je devrais pouvoir rentrer deux poissons. Alors, attends. Hop. Bon, alors, c'est bien mignon, mais alors, du coup, je peux plus rien draguer parce que je suis plein comme une huître. J'ai une place pour un poisson? Non. C'est pour rien du tout. On peut économiser l'électricité à bord. Quelque chose s'est glissé dans ma canne. Quoi? Ah, du coup, ça a pourri mon macro. Quasiment sans valeur, mais suffit à chasser la faim. Ah, il vaut 3$, il vaut plus rien. Ah. Oh. Je peux le laisser dans... Voilà, dans ma réserve, la planche à la madame. Ça, je suis pas sûr de vouloir ça. Hein. Ça non plus, je suis pas sûr que ça me serve à grand chose. Et puis ça, l'or reste toujours aussi précieux. En vrai, pour l'instant, dépose-le aussi. Hein. Voilà. ZZ. Dormir, dormir. Ouf. Voilà. On n'a pas parlé au maire, voir s'il savait des choses. Vous savez où trouver des épaves? Des épaves, malheureusement, il y en a eu quelques-unes ces dernières années. Le phare est d'une grande aide, mais il peine à percer le brouillard certaines nuits. On fait de notre mieux pour récupérer les débris et les épaves de ce côté de l'île. Ça devrait simplifier votre pêche. Mais de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Il reste des épaves dans les eaux plus profondes. Évitez ce secteur. Bon, que puis-je d'autre pour vous? Ah, c'est pas mal. On a des infos. Mais c'est des infos qui nous serviront dans un prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Cadavitude Gaming et je vous